sur le boulevard un petit jeune homme par hasard. Rencontra sur son chemin une petite femme très bien, tiens. Un petit air chiffonné, le jupon tout ce qu'il y a d'entravé. Un chapeau de velours aussi grand qu'un abat-jour. En la voyant, il fit hep, hep, hep. Oui, hep, 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 arrêtez, bel enfant. Joli minois, je vous emmène avec moi. Je reste à côté, vous venez prendre le thé. Je ne peux pas, je ne peux pas, qu'elle répond tout va. Je n'ai pas fourvoyé entre nous, pour qui me prenez-vous? Je suis une femme comme il faut, et je le dis bien haut. Je ne fais pas comme ça, ça n'est pas sérieux chez les messieurs. Oh ben alors, mon loulou, emmenez-moi chez vous. Qu'elle réponde, comme cela je ne dis pas non, bon. Chez elle, en minaudant, elle lui dit, je n'ai pas de parents, vous êtes seule qui lui dit. Elle lui répondit, oui. Pas même un protecteur, si qu'elle dit un vieux sénateur, celui qui m'entretient. Je lui dis, ça c'est très bien. En l'embrassant, il dit, oui. Puis il dit tendrement, on serait bien mieux, viens-nous-en tous les deux pour discuter sur le canapé. Oh, je ne peux pas, qu'elle répond tout va. Vous n'êtes pas fourvoyé entre nous, pour qui me prenez-vous? Je suis une femme comme il faut, et je le dis bien haut. Je ne me mets jamais sur un canapé quand je veux causer. Oh ben alors, qu'il lui dit, mettons-nous dans le lit. Qu'elle répond, oh, comme cela je ne dis pas non, bon. Mais voilà, brusquement, sous les fenêtres de l'appartement, une voiture s'arrêta, la petite s'écria. Là, mon ami qui revient, le jeune homme s'écria, nom d'un chien, à travers les volets, il vit un homme qui montait. Oh, c'est tordant qui pique. Chut, 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 bouge pas. Chut, 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 perdons pas un instant. Je suis pas bien gros, cache-moi vite dans le piano, quelque part dans un placard. Je ne peux pas qu'elle réponde tout bas. Car j'ai beau chercher par où vous cacher, je ne peux rien trouver. Hop, bougez pas, ça ne fait rien. Je ne vois qu'un moyen, c'est de vous présenter comme un de mes parents à mon amant. Riant aux éclats, je ne me dis, je ne peux pas, car ce monsieur-là, c'est justement mon papa.